Bonjour, je suis Eric Chailly et ceci est mon film. Alors oui, la réalisation, c'est moi. Je voulais faire un film qui parle à tout le monde, qui soit tout public. Et on me dit parfois, Eric, tu dis trop je, mais j'ai envie de dire, quand je dis je, mais... Moi, je parle à l'humain. Je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement universel dans l'être humain, et c'est ce que j'essaye de toucher avec mon film. Le montage, c'est moi. Je pense que ce qui est important dans le montage, surtout, c'est de mettre les scènes dans le bon ordre, afin qu'elles racontent bien l'histoire. Le montage, c'est moi. J'adore ce film qui est Un jour sans fin. C'est l'histoire d'un personnage. Il se réveille et c'est toujours le même jour. Elle tipe, il en a marre! Et au cinéma, c'est pareil, tu peux pas faire comme en musique et faire couplet, couplet, refrain, couplet. Le spectateur se lasse, faut raconter une histoire, couplet, refrain, solo, bridge. Le problème, c'est qu'en musique, tu reviens toujours à refrain et... on peut pas faire une chanson d'une heure et demie. Le spectateur, il s'emmerde. Au cinéma, faut raconter une histoire. Puis du coup, on invente une histoire. Ah ouais, le personnage, il revit toujours la même scène. Oh, c'est des conneries tout ça. Enfin bon, je trouve en tout cas, moi, j'ai mis les scènes dans le bon ordre, je les ai bien coupées, je pense que ça donne. La caméra, c'est moi. J'ai une grosse machine, une grosse caméra. Il y a marqué Nikon dessus. Je pense que ce que ma caméra raconte, c'est plutôt qu'il faut le prendre au sens figuré plutôt qu'au sens propre. Après, je pense qu'il y a différentes sortes de films. Il y a des films où on a des rails de travelling qui ont été mis longtemps à l'avance et d'autres qui se font avec l'habileté du caméraman, sa capacité à en fait se concentrer là où est l'action et à saisir le moment. Voilà, je pense que c'est ça. Et moi, j'ai préféré avoir ce côté naturel de saisir l'action avec ma caméra. Voilà. La photo, oui, c'est moi. Il faut quelqu'un à la photographie qui ait un sens très, très bon de l'esthétique. Et moi, je baigne dans la photo. Je vais voir énormément d'expos photos. J'adore la photo noir et blanc. Et les autres couleurs aussi. Dans la famille, on est très album photo. Je prends tout le temps des photos. D'ailleurs, je vais peut-être vous en montrer une. Ouais, voilà. Bon, j'ai fait le tri récemment, c'est un peu concept, mais c'est plus concepté que ce que je fais en film. Voilà, c'est une liste d'ingrédients de savon, en fait. Je trouve ça comme ça, enfin, je sais pas pourquoi je vous montre ça, mais il n'y a pas de cinéma sans photographie. Et il n'y a pas de cinéma sans photographie. Alors, la prise de son, c'est moi. Au début, j'avais pris un appareil photo pour le son parce que le micro de ma caméra est cassé. Et en fait, c'est assez galère en fait de tourner. Mais finalement, j'ai acheté un trépied et un micro. Et surtout, le plus important dans le cinéma, dans la prise de son, c'est la petite mousse. Ça, la petite mousse, ça fait tout. Le bruitage, c'est moi. En 2004, les gens de René Château viennent me chercher parce qu'ils veulent remasteriser la filmographie de Bruce Lee. Donc forcément, ils pensent à moi. Et d'abord, moi, j'ai fait quelques petites voix de chinois du Japon, voilà, comme ça, là, normal. Mais ma formation, je dis, moi, j'ai une formation cheval en bruitage. J'explique. Voilà. Petit exemple. Ça, c'est le cheval. Ça, c'est le marcheur. Après, on fait ce qu'on veut, je veux dire, on peut faire du... Enfin bon, là, je me suis peut-être un peu enflammé, ça c'est du dubstep, mais voilà. J'ai voulu exploiter mon talent sur ce film, mais je pense que ça le fait. La musique, c'est moi. J'adore faire des musiques qui rentrent dans la tête, le truc que tu te couches avec et tu te réveilles encore avec. Par exemple, la nuit dernière, j'ai fait ça. Ah, je débrouille pas mal au clavier. Le casting, c'est moi. Il fallait choisir des gens qui soient bien à leur poste, les gens parfaits pour le poste. Parce que on fait pas jouer Zizou en premier violon.
Pardon, monsieur. Vous partez? Non, j'arrive. Bon, tant pis. Merci. Ah, c'est fini en fait.